Salut, salut, donc on se retrouve dans une vidéo bonus pour un haul action, comme vous l'avez vu dans le titre. Samedi, donc hier, j'ai été avec mon mari chercher mon colis en point relais et en déposer un autre. Du coup, ils m'ont fait la surprise, ils m'ont mis chez Action, voilà. Donc j'avais pas fait les magasins depuis au moins 4 mois et l'ambiance est assez spéciale quand même, hein. Voilà, faut dire ce qui est, mais bref, j'ai réussi à retrouver le principal pour moi. D'autres choses, mais il n'y a pas que moi qui fais des achats, donc je vais tout vous montrer. Donc, dans le crash test de mercredi, vous verrez que je vous dis que vous avez le haul samedi. Ensuite, j'ai réfléchi, je me suis dit, Action, il y a quand même beaucoup de produits qui vont, qui viennent et qu'on n'arrive plus à retrouver. Donc, si jamais il y a des choses que moi j'ai trouvé que vous ne savez pas et que vous voulez aller voir si vous les avez, je préfère vous le faire tout de suite et vous la mettre en bonus. Donc, on va commencer par ce qui est maison. Mon mari s'est d'abord repris une recharge de gaz, voilà, tout simplement. Donc, comme d'habitude, je vous mets les prix à l'écran. C'est une recharge de gaz pour les briquets et principalement pour notre allume-gaz, pour allumer le gaz et faire à manger. Ensuite, il a acheté de la peinture qu'il devait faire pendant le confinement, mais genre, il a acheté la peinture, son patron l'a rappelé le lendemain pour aller retravailler, donc il a toujours pas peint. Mais du coup, il a racheté déjà un gros collier. Voilà, pour mettre sur son manche. Hein. En fait, mon mari ne s'amuse plus à les laver, il les jette et il en achète un nouveau quand il doit repeindre. En même temps, vu le prix, c'est pas très grave, mais voilà. Il a repris également 5 petits comme ça. Donc non, c'est pas pour faire le challenge avec le make-up avec les trucs de travaux, hein, mais c'est pour ça. Il a repris un lot de 3 pinceaux comme ça, donc vous avez une taille 15, 18 et 21. Ça c'est bien pour les coins. Et il a repris un comme ça pour derrière les radiateurs. Voilà. Je vous montre un au cas où ça vous intéresse. Alors on a repris 3 moustiquaires aussi comme ceci. Elles sont vraiment pas chères, j'aime bien quand il y en a, on en prend souvent le stock. Donc on en a pris 2, une pour mettre à la fenêtre de la cuisine qu'on arrive à ouvrir que en grand, une pour mettre à la porte. Qui donne dans le jardin pour vu qu'elle est aimantée, les chiens savent passer et du coup elle se referme à chaque fois et ça évite que les mouches et les moustiques et compagnie rentrent dans la buanderie. Et du coup on en a acheté une troisième parce que mon chien a tendance à les bousiller. Voilà, si on l'enferme dehors parce qu'on a de la visite et que la personne a peur des chiens, ce qu'on fait toujours quand la personne a peur des chiens vu que c'est un gros chien imposant, on l'enferme à l'extérieur. Alors à ce moment-là, pour se venger, il arrache la moustiquaire et mon chat fait Spider-Man après la moustiquaire. Il monte jusqu'au-dessus, hein, quand même. Alors en bouffe, mon mari en a profité pour se reprendre plein de bonbons, mais il se les est déjà rangés, voire mangés. Hein. Par contre, on a repris 2 sachets de crispy oignons, comme ça. Donc c'est lui qui les a trouvés en plus. Et j'adore ces trucs-là. J'en fous partout. J'en mets dans mes salades, j'en mets dans mes sandwichs, j'en mets dans mes soupes, j'en mets partout. J'adore ça. Voilà. Et je peux même les manger comme ça me dérangera pas. Donc on en a repris 2 paquets parce que c'est quand même bien qu'ils sont moins chers. Il a trouvé ceci pour lui et les enfants, il n'y en a que 4 dedans. C'est des petits jus berlingots comme ça au bubblegum. Voilà. Moi je trouve ça super intéressant. Je goûterai dans un de mes filles, je pense, mais moi c'est pas le genre de truc que j'aime beaucoup, c'est beaucoup trop sucré, j'aime pas. Ensuite j'ai refait une razzia de friandises pour mes chiens et mon chat. J'ai pris un gros nounours comme ça pour le chien, mais je lui ai donné directement, donc je peux pas vous le montrer. J'ai d'abord racheté 4 paquets de sortes. Il y avait 3 sortes, mais il y en avait un au saumon que je n'ai pas acheté. Voilà, des Catisfaction. Donc là, c'est des Purfection. Wistorine pour la santé des yeux et du cœur. Et ici, c'est pour les boules de poils. Voilà, ici, c'est au poulet et là, à la dinde. Ensuite, j'ai pris les friandises habituelles. Pour les chiens, donc les Pinky, là, Chicken Strips, donc c'est au poulet, hein. Voilà, c'est du poulet séché tout simplement, c'est hyper naturel, donc c'est très bon pour les chiens. J'ai repris ceux-ci pour mâchouiller parce qu'ils aiment bien, c'est du Calcium Bones, toujours avec du poulet et des petits os au calcium. Là, j'ai trouvé ceux-ci, on ne l'aura jamais pris, c'est des filets de steak, donc là il est ouvert parce que j'en ai déjà donné un. Voilà, tout simplement. Ils sont un peu plus chers, mais c'est tout mou, c'est du steak séché, quoi. Et pour terminer, les Lucky Bites des filets de canard. Voilà. Donc les friandises pour chiens là-bas sont très bonnes pour eux et vraiment pas chères, donc c'est génial.
Donc on va pouvoir passer à la partie... Ah non, d'abord j'ai la partie papeterie, on va dire. Voilà. Donc j'ai d'abord acheté un lot de deux feutres permanents, parce que voilà, quand tu dois écrire sur un carton ou des choses comme ça, j'en ai plus, et c'est toujours utile, et c'est pas bien cher non plus chez Action, hein, on se ruine pas en achetant ce genre de choses. Comme à chaque fois, je me suis racheté un cahier à spirale, parce que je prends toujours à spirale pour pouvoir mettre mes petits intercalaires et diviser mon carnet en plusieurs parties. Donc là, vous avez une pochette en plastique avec du gel et puis des paillettes. C'était le seul en spirale qu'il y avait. Hein. De toute façon, après, il est beau. Hein. Good vibes only. Et c'est un gummy banal. Très banal. Voilà. Et dedans, il y a 80 pages. Voilà. Ça, j'en prends à chaque fois que je vais. J'en prends un. Alors, pour les parties soins et tout ça, d'abord, je me suis racheté un lot de pinces à cheveux, comme ça, à clips, hein, voilà, comme on voit partout. Donc, vous en avez des pailletées grises et noires, des noires, donc il y a 4 noires et 2 blanches classiques. Et vous avez des, avec des petits pois, vous avez des grises, des blanches et des noires. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 sortes, 16 pièces, c'est marqué juste là-dessus. Voilà, elles sont jolies, et ça, c'est pareil, c'est toujours utile. J'ai pris comme d'habitude le lot de 4 brosses à dents de chez Colgate. Vous en avez normalement une gratuite si j'ai pas de bêtises. C'est des médiums comme je prends d'habitude. Voilà. Et rien à dire, c'est des brosses à dents. J'ai refait mon stock. Alors ça, il m'en fallait absolument. J'en avais plus 2 patchs pour mon dos. Donc j'ai pris 10 boîtes de 2. Donc ça me fait 20 patchs. Je suis à peu près tranquille. Donc c'est des emplâtres chauffants, vous savez, enfin, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'utilise que ça pour mon dos, quand, parce que j'ai une hernie discale. Quand j'ai mal, je mets ça dessus pour que ça chauffe bien, puisque je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire et tout ça. Donc j'essaie de faire passer juste avec ça. Parfois ça marche, parfois je vais prendre un Doliprane ou des choses comme ça, un antidouleur en plus. Mais souvent ça marche. Alors soit vous tombez sur un lot qui... chauffe pas du tout et qui fait pas d'effet, soit vous tombez sur un qui est très bien, soit vous tombez sur un qui surchauffe. Après, vu le prix, si j'en ai un qui chauffe pas, je change, quoi. J'en mets un autre et voilà. J'ai d'abord repris mon backup de d'eau de rose. J'en ai pris 5, voilà. Parce que j'avais tellement peur de tomber à court et je sais que je vais pas courir chez Action toutes les semaines faire du shopping classique, quoi, hein. Je vais pas aller me promener. Donc voilà, eau de rose, génial, l'enfer, rien à dire. Vous savez que j'utilise en boucle, donc je l'adore. J'ai également repris 2 backups de mon gel d'aloe vera. Donc c'est le Bêtise Nature 92% d'aloe vera. Donc, c'est pour le corps, visage et les mains. Je m'en sers comme crème de nuit en fait. Voilà, je mets ça le soir sur mon visage, mes yeux, ma bouche. J'en mets partout. Quand j'ai la peau du corps trop sèche aussi, j'en mets aussi, et franchement ça évitera de t'en faire, c'est vraiment génial ce truc là. Alors ça descend pas vite parce que c'est quand même un gros pot de 300 ml, je prends une noisette pour me faire tout mon visage, donc ça descend vraiment pas vite, et j'adore, mais du coup j'en ai pris 2, comme ça je suis sûre de pas tomber à court. Alors mon mari a trouvé, moi j'étais passée devant mais je l'ai pas acheté, et lui il l'a acheté parce qu'il a dit voilà, toi tu utilises le Head & Shoulders à l'huile d'argan, mais je vais quand même le tester parce que j'adore. Il a pris 2 shampoings et le sève comme ça, donc c'est le Nutrigloss Crystal Sparkling Shampoo. Voilà, c'est un avec de la perle et des micro-cristaux dedans pour les cheveux fins à normal. Mais j'ai juste adoré le shampoing, il est rose avec des petites paillettes quand même. C'est juste génial. Oh, ils sont bons. Oh, ils sont super bons. J'aime beaucoup. Je ne l'ai jamais vu avant, donc là je l'ai pris pour le tester, c'est un démaquillant biphase. Donc il est moins cher encore que celui de Lidl, donc voilà, je vais tester. Et c'est un pour le waterproof, hein, c'est un biphase classique. Et voilà, je vais tester, même que j'ai pas fini celui de chez Sienne qui est entamé. Et comme ça, si je trouve qu'il démaquille relativement bien... Après, c'est comme je vous ai déjà dit, je ne cherche pas un gros démaquillant surpuissant, puisque, en principe, je m'en sers juste pour enlever, soit quand j'ai beaucoup de couleurs, pour enlever le plus gros des pigments, ou les paillettes. Le reste, je démaquille à l'huile. Donc, même s'il démaquille pas super bien, je m'en fous un peu. Mais voilà, comme ça, pour l'instant, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Avoir son efficacité, parce que vu qu'il y a 150 ml dedans, il revient moins cher que le Sienne qui est... de 100 ml. Alors j'ai pris des masques
J'ai pris deux masques cheveux déjà pour commencer. Alors j'ai pris celui-ci de This Is It. J'adore l'huile pour les cheveux de cette gamme là, mais je ne la trouve plus et ça m'énerve parce que c'est mon huile pour les cheveux préférée. Donc là j'ai vu le masque. Elle existe en deux formats en fait, l'huile. Il y a l'huile huileuse et il y en a un, c'est un sérum qui est laiteuse, un peu comme ça, qui fait un peu comme un lait, qui assèche les cheveux et qui... Voilà, j'aime pas l'effet. Tandis que l'huile en huile, je l'adore, mais je la trouve jamais parce qu'ils n'ont plus que l'autre. Donc là, je me suis dit, je vais tester le masque. C'est un bête masque pour les cheveux sous la douche, hein, sauf qu'il... c'est dommage qu'ils le font pas en peau d'ailleurs. S'il est bien, parce que ça, s'il est pas bien. Donc là, vous avez 20 ml dedans, donc moi, je vais potentiellement... Faut que j'arrête avec mes mots bizarres. Pouvoir l'utiliser deux fois et donc vous devez laisser, c'est marqué une minute Miracle Mask, mais ils disent quand même de le laisser poser une à trois minutes. Moi en principe c'est le premier truc que je fais quand je prends ma douche, je me lave les cheveux, je pose mon masque et comme ça il pose le temps que je me lave, que je me brosse les dents, que je me rase les aisselles si j'ai besoin ou des choses comme ça, ou les pattes. Donc voilà, il pose le temps qu'il doit poser, de toute façon ça abîme pas les cheveux à masque. J'ai également pris celui-ci parce que ça m'a trop fait rire. Donc ça c'est un turban en fait, hein. C'est un masque pour cheveux en papier. Donc il est hydratant et soin, il a l'huile de coco et il est pour les cheveux secs. Et je pense que vous pouvez voir que mes cheveux en ce moment sont hyper secs, même que je mets la tonne d'huile dedans, que je les lisse de temps en temps, ils sont super secs. Je sais pas pourquoi, ça m'énerve un peu. J'ai fait un masque la dernière fois avec le gel d'aloe vera, ça les a bien hydratés pendant quelques jours, mais après ça a recommencé. Donc je vais essayer, bon, pas maintenant parce que j'ai lavé mes cheveux hier, donc je vais attendre un peu parce que là en fait il faut le mettre sur cheveux lavés et humides, mettre le masque, laisser poser 15 à 20 minutes, masser et ensuite rincer à l'eau tiède. Donc c'est un peu chiant, mais voilà. Donc le masque c'est avec des petits donuts, là on verra. De toute façon, quand je le ferai, je vous mettrai forcément une photo en story sur Instagram. Obligé. Donc venez me rejoindre si jamais c'est pas encore fait. Et j'ai pris ce masque-ci. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'adore les patchs pour les yeux comme ça. Et là, ils l'ont sorti pour le visage, mais en deux parties. Donc je viens de le tester celui-là parce qu'il doit être trop beau à voir. Je sais pas si vous allez bien voir qu'il est en deux parties. C'est pour hydrater la peau. Ça contient de l'allantoïne et de l'acide hyaluronique. Et voilà, il y a une pièce dedans. Combien de temps est-ce qu'il faut le laisser poser? 15 à 20 minutes comme d'habitude, voilà. Donc j'ai hâte de tester ça. J'ai pas repris les patchs, il m'en reste un et j'ai commandé sur AliExpress un pot en fait avec 30 dedans, donc enfin 15 applications puisqu'il faut en mettre deux, hein, un sous chaque œil. Donc voilà, je n'ai pas repris de patch pour le moment. J'ai pris ceci, donc c'est le Wonder Balm. Je vous montre, c'est pour les lèvres, la peau, nails, enfin ongles et cuticules. Moi je vais m'en servir principalement sur les lèvres. J'ai swatché, je vais dire, la crème, c'est vraiment hyper gras, hein, c'est un baume, donc c'est un super nourrissant, super hydratant, et voilà, c'est enrichi avec du shea butter dedans. Appliquer régulièrement sur les lèvres, la peau, les ongles et les cuticules au besoin, tenir hors de portée au lobby. Mais franchement, il a l'air pas mal. Et comme c'est un gros tube, je me suis dit pour bien réparer les lèvres, ça peut être sympa. Parce que c'est quand même un format 50 ml. Donc voilà. Il sent bon. Donc je testerai ça ce soir. Voilà, en masque de nuit. C'est ça que je cherche en fait, un masque de nuit pour les lèvres, pour bien les réparer. Bien les hydrater parce que mes lèvres aussi sont très sèches. Mes cheveux et mes lèvres en ce moment sont hyper secs. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que je suis en manque d'hydratation, mais je bois vraiment pas assez. Je bois que du café en fait. Je bois jamais d'eau. J'ai pris deux. Alors là, j'ai dit à mon mari, tu vas aller m'en chercher d'autres parce que j'ai pris deux sérums comme ça. C'est les Holo Glow. J'ai craqué sur le packaging, hein, avant tout. On est d'accord. Donc c'est un sérum. Avec trois dimensions holographiques glow, avec du nectar d'agave bleu. Donc c'est un sérum visage, et derrière ils disent que c'est pour sérum liftant à effet holographique appliqué sur le visage et le cou après les avoir nettoyés. Étaler doucement et uniformément le sérum et laisser absorber, convient à tout type de peau. Donc c'est un sérum liftant, moi je préfère les sérums liftants et les crèmes hydratantes plutôt que l'inverse parce que j'aime pas la texture des crèmes liftantes en fait.
Mais alors, je vous montre le truc. Donc, vous voyez, il est micro pailleté holographique comme ça. C'est juste trop beau. Donc, dedans, il y a 20 ml. Voilà, c'est un format pipette, un flacon en verre avec une pipette en verre. Et le produit est super liquide. Donc, il se prélève bien et il s'applique bien. Et il sent bon. Il sent divinement bon. Alors, je l'ai testé sur ma main hier en rentrant des courses. Et ben franchement, j'adore la sensation sur la peau. Sur la peau du visage, je sais pas. D'abord, je vais quand même finir mes petits sérums action Catrice. Mais j'adore sur la peau. Il est vraiment bien. Donc là, j'ai dit à mon mari, écoute, quand tu retournes dans le coin du Action, tu vas m'en chercher un stock. Parce qu'à 1,69€ pour un sérum liftant, même s'il n'est pas super liftant, hein, je m'en fous, ça me fait toujours un sérum pour pas cher. Et j'adore les sérums de chez Action, comme les masques. Je les aime beaucoup. Donc, Et pour terminer, je me suis repris un truc comme ça. Donc j'en ai déjà un. C'est un storage accessories organizer. Voilà. Donc dedans, vous avez des accessoires que je ne vais absolument pas garder. Hein. En dessous, vous avez des pinceaux. Au-dessus, vous avez tout ce qui est pour les ongles, donc une lime à ongles, la coupe ongles, je crois qu'il y a une pince à épiler, tout ça. Ici, deux petites éponges que je vous avais déjà mis dans un lot, un petit miroir, des écarteurs orteils, enfin voilà, c'est des petits accessoires cheap. Hein. Je vais soit les mettre de côté pour un concours, soit les donner à mes nièces. Moi, je vais juste les tiroirs pour le prix, franchement, c'est vraiment pas cher, ils sont bien, ils sont grands, ils grincent pas et tout ça, ils coincent pas. Et je m'en sers pour ranger mes liners. Été donc voilà mon je vous mets le room tour ici si jamais vous l'avez pas encore vu, mais il a encore changé. En fait, j'essaye d'organiser au plus facile, donc ça change. Je vous le ferai fin d'année pendant le calendrier de l'avant, comme ça j'ai encore le temps de changer entre temps sans vous faire 50 vidéos sur l'année, parce que je change à chaque fois quelque chose. Donc je vous referai un update dans le calendrier de l'avant de la fin d'année, et comme ça vous pourrez voir ces petites choses en action. Et donc voilà. Voilà ce qui conclut ce haul. Donc maintenant, je vais essayer de me dépêcher à faire le montage pour pouvoir vous le publier ce soir, dimanche. Ou sinon, ça sera lundi. Voilà, je ne sais pas trop comment ce qu'on fera. Donc tenez pas compte de ce que je dis à propos de ce haul dans le crash test de mercredi, puisque dans le crash test de mercredi, je vous dis que je vous l'aurai samedi, mais du coup, ça change. Et voilà. Donc, dites-moi si vous avez été aussi chez Action, si vous trouvez aussi que l'ambiance dans les magasins, c'est vraiment glauque en ce moment, là, avec ce virus-là. Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très respectueux des distances de sécurité et tout ça. Hein. En plus, moi, j'avais oublié mon masque, donc mon mari me dit, c'est rien, c'est pas obligatoire. J'ai quand même, j'aurais préféré l'avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de vous, qui vous bousculent quand même. Bref. Donc forcément, je ne vais pas y aller toutes les semaines, mais... Voilà, mon mari a voulu me faire la surprise, ça m'a vraiment fait plaisir, surtout que j'ai pu aller racheter mon backup d'eau de rose et de gel d'aloe vera. Je suis enchantée parce que l'eau de rose, il me reste ça dans mon dernier flacon, donc j'avais trop peur de tomber à court. Et j'ai encore fait des découvertes. Le petit tiroir, il m'en fallait absolument un, j'ai plus de place pour mes liners pailletés. Et mes rouges à lèvres, parce que j'achète trop de rouges à lèvres. Mais bon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez été chez Action, ce que vous avez acheté, ce que vous avez trouvé. Vous pouvez m'envoyer des photos sur Instagram aussi, hein, en privé et tout ça, comme ça, si vous avez des belles trouvailles. Et après, je les repartage, parce que dans tous les Actions, c'est pas la même chose. Moi, j'ai 3 Actions autour de chez moi, et dans les 3, je trouve des choses différentes. Donc. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ce haul vous a plu. Et oui, j'en ai marre de faire des hauls, hein. Là, en ce moment, j'en fais un peu beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne, d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et donc on se retrouve mercredi pour le crash test de mon dernier haul d'avant, que je vous remets juste ici au cas où vous ne l'auriez pas vu. Et donc en attendant mercredi, moi je vous dis bisous bisous.